faisais beaucoup de moderne et un jour on m'a lancé un peu un défi en me disant « Bon, toi tu tires bien en moderne, ça te dirait pas de faire de l'arme ancienne ?» J'ai dit « Ok, bon, on va faire de l'arme ancienne » et donc je suis venue à l'arme ancienne comme ça, j'ai pris le catalogue de Noël, j'ai dit « Je veux ça », donc le Père Noël m'a emmené mon premier fusil, premier championnat de France, une quatrième place. À l'époque, ça m'a ouvert les masters, donc les sélections qui se faisaient l'année suivante. Et puis premier championnat du monde en 2010, et puis ben voilà, l'aventure a commencé comme ça. Alors palmarès en arme ancienne, je suis double championne du monde 2012 et 2016, vice-championne d'Europe 2017, des classements individuels dans place d'honneur, on va dire. Voilà. L'arme ancienne, on est sur une technicité au niveau de l'arme avec une phase de mise au point et de bricolage, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut connaître le fonctionnement de l'arme, pouvoir essayer de faire des améliorations, alors qui peuvent paraître un peu anodines ou du détail, mais en arme ancienne, le détail est important. Moi qui viens du moderne, c'est pas parce qu'on est sur de l'arme ancienne avec des armes historiques. Le réglage, il se fait au niveau du tireur, au niveau de sa position, au niveau de la construction, au niveau de la rigueur qu'on peut avoir. Bon, la performance, elle se fait à ce niveau-là. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut et gérer le stress et gérer la pression. Le tir, on a 30 minutes, 13 balles, donc il faut que ça parte. Le temps, il court, on ne va pas déborder. Et moi, ce que j'aime, c'est justement ce stress, c'est un peu cette adrénaline qui fait que bah, voilà, on arrive à... Les podiums se gagnent avec ça. À moi qui suis de la Ligue du Centre, oui, c'est une grande fierté de tirer à Châteauroux. On a quand même des superbes installations, on a quand même un superbe cadre que moi je trouve apaisant et avec des conditions de tir qui ce matin m'ont vraiment permis de tirer dans de bonnes conditions. Et ouais, je suis fière d'être de la Ligue du Centre et fière de tirer ici et j'espère mettre ça en avant.